qui est prophétisé. Nous disons que nous parlons en captivité, mais nous devons nous retourner quand même, parce que nous ne pouvons pas arrêter en captivité pour tout le temps. La théologie dit que ça vient dans la parole, pas jamais un effet sans cause. Tenez bien, pas jamais un effet sans cause. Si il y a un effet, il y a une cause qui fait effet à fait. Les enfants d'Israël, c'est peuple bon Dieu lié. Et bon Dieu, pas jamais, lui est petit lui. Il y a un moment pour ne pas lui est riche lui. Les Israël, moi, je suis ma réponse. Mais, même là que Israël, c'est petit bon Dieu lié, lorsque Israël fait mal qui mal devant mon Dieu, bon Dieu doit payer pénalité à quand même. Ça fait que vous matin, chers frères et sœurs, ou pas les jeunes pères, nos situations, ni pas carré pour ça, n'a pas changé quand même. Peut-être que nos situations matin sont maladies à fil avec. Peut-être nos situations matin, c'est de votre carré pour mon abdomen, c'est humilié à humilié. Peut-être que nos situations, famille abandonnée, je jette une dehors, je parle de même nous beaucoup à matin, bon, c'est pas qui nous jouer. Il n'y a pas qui nous jouer. Nous sommes un peuple bon Dieu. Lorsque Israël péchait devant mon Dieu, bon Dieu les Jérémie. Les Jérémie prophétisait sous Israël. Israël à cause malhonnête qui a fait devant Dieu, mon Dieu, bon Dieu a mal jeté en captivité. Pour faire un roi méchant. C'est peut-être ça l'église. Là, nous faisons bagaille qui m'a bon évangile. Bon Dieu m'a traité, non. Lui bat, non. Lui humilié, non. Lui fait maladie, tomber sous non. Lui fait ennemi, non. Piétiné, non. Lui faut perdre du job. Lui faut perdre du mari. Lui faut perdre du madame. Lui faut perdre du paquet de bagaille. Parce que vous allez loin de l'éternel. Mais en vérité, ça va prêter pour ça. L'élève Jérémie prophétisait. Et il racontait nous l'histoire